Monsieur Kenya yo commencé pile sol là sérieusement. Yo commencé à faire connaissance avec pression qui gagnait en bas la ville là. Mais comme ça t'est déjà dit, présence force multinationale là, c'est dans cadre accompagnement ou bien soutien que y a vinn poté by PNH là et bien effectivement, nèg yo pas prend la ria pour compte yo, j'en saute garder dans commencement émission là, yo t'est présent ensemble avec unité SWAT qui dans la police qui c'est une des crèmes dans unité yo, comprenez bien, et bien yo t'a sillonné zone Mondede, comprenez bien, gen en pile, capable dire ça au moins son gros signal qui voye. Moi me dit nous nèg yo vini là, c'est vrai, mais pote ko gen l'autre qui passait pour commencer rentrer dans cadre opération. Gagnent l'autre nèg qui supposé arriver pas trop longtemps là, bon dit avant moi juillet a fini. Yo ta supposé tout effectif là ta supposé là à peu près 2500 officiers qui sorti dans au moins 8 pays. Est-ce que comprendre? En tout cas, je nous souhaite ya, oui c'est comme ça et faut me dire nous gang yo mettre préparé yo là parce que les m'a regarder messieurs ça yo. On moi gen moun jusqu'à présent cap sous-estimé, gen moun jusqu'à présent est-ce que comprendre cap garder sous couleur peau nèg yo, cap garder sous beauté nèg yo, cap dire hey, ça yo, n'a pas gitan konnen. Ça yo va pas gen rapport ensemble avec beauté extérieure non. C'est ça nèg la gen en dedans comme formation, c'est lui même pour le bail. Et même jusqu'à présent, m'pa tann l'autre bagaille que résultat. Entre-temps, qui t'aime tout annoncer nous, la police nan Vilokay. Lem di la police, ben précise pour nous, c'est plutôt Udmo nan Sid, comprenez bien, nèg yo fon zak, mwen le sa zak makarele l'opération. Kote gen de mesdames qui arrivent perdi la vie yo, jusqu'à présent, moun ki te la yo pa ka explique qui sa bagala te ye, parce que c'est pas une opération, c'est on patrouille Udmo qui en nik vini. Et puis sortant à là, te gen deux mesdames qui t'ont campé, qui t'ont acheté un poisson, comprenez bien. Et puis c'est rete ou rete bal commencé vider sous mesdames yo, mesdames yo mouri. Desamdou, mesdames yo mouri, c'est ça qui me gagne comme information. Et jusqu'à présent mes chers amis, m capable dire responsable policier dans département Sid pas bay aucune lumière par rapport avec ça que fait là. Moun qui était présent yo, yo fait connait yo just way machine là et puis policier qui sorti dans unité il me descend et puis sortant de ces coco on prend mesdames qui était campé t'a acheté gagne qui était bon bac fritaille et bien gagne qui mouri sous place et gon l'autre lui-même et courir avec lui l'hôpital c'est là qu'il t'a pral rendre dernier souffle et jusqu'à présent j'aime dit nous là pas aucune information pas aucun détail que moi-même moi en mesi pour m'taba nous sauf que yo remarqué que nèg yo descend et puis yo fusier mesdames c'est ça que nous gagne comme information moi te gagne non mesdames yo là mais m'a regarder à ce qu'il paraît on prend et information concernant non mesdames yo l'onti j'en échappé même penser non tout au long on tout à et capable dit tout au long des émissions ça ou capable joindre non mesdames mais entre-temps moi-même moi dénoncer le déjà à mettre reprise. C'est ça qui fait un pile dans nous qu'a penser ces problèmes qui me gagne avec mesdames action passée dans zone derrière fort qui sont quartier populaire dans ville au caille comprendre bien et ben faut me dire nous moi même moi parler ça déjà et l'aime parler moi gagne monde qui manque comprendre gagne monde pour eux même c'est contre moi gagner ensemble avec la police non d'aime tout dit ça c'est une dans monde qui t'a aimé ouais on prend charge du bon Dieu mettez pas grand policier mourir plutôt sans avoir mouri mais on grain policier pas tombé m toujours dit mais les gars dérive la forme moi-même tout forme capable venir là pour me dénoncer là il pas faire émission là pour me faire plaisir me faire émission pour me bon information mais non mesdames yo gagne youn qui relé Stéphanie Villemont comprenez bien et puis l'autre là relé Louis Betty. Louis Betty a c'est le même qui t'a gagne chance pour t'y aller l'hôpital après plein balio et ça qui pote non Stéphanie Villemont, li mouri sous place, comprenez bien, li mouri en bas, bac fritay, on dame, comprenez que li t'a bâché nan men, et l'autre qui t'a bâché poisson, c'est lui même, c'est l'on détail, c'est l'information qui t'a l'hôpital, mais kounia même, yo dit par rapport ensemble avec ple cartouche, parce qu'elle prend balle tout nan tete, c'est l'on détail qui m'gagne, eh bien, li pas t'a arrivé, fait résistance, eh bien, l'homme t'a passé frappé pour li, l'allé. Et monsieur Idmoyo, yo fin fè zak la, yo viré machine yo, yo ali. Est-ce que c'est des yon individu yo tap kouri jusqu'à présent? Cherchez m'ap chercher, bon gen réponse nan, mais c'est ça que nous gen comme information, nèg yo fon zak. Et moi même mandé ensemble avec ou commandement la police là. C'est peut-être ça.
nèg ki DG police là li connaît le pap ka gagner ziel sous toute institution hein sous tout département honnête li choisi yon moun pour le chef police par département c'est à dire gen 10 chef police par département et sont des ça me dit bien a dit 6 chef police dans département sud là li pa ka bay sak passé a si tout responsable idmo dans sud là li pa ka expliquer sak fait là moi m'a toujours dit gen une série de policiers yo gen même tempérament mes chers amis ensemble avec gang yo que yo di a goumen kont yo ça pas supposé accepter est-ce que vous comprenez un policier ou supposé faire preuve de professionnel ou former pour ça ou faire mon côté pour formation mais l'a sorti ça on va ça li do di a elle ou fait au lieu soir qu'on est ou comment bien ça me dou même gens des actes ça yo faut dénoncer parce que pas le temps c'est les en famille en proche moi les victimes en bas mais on série de policiers zagouloray moi les ou comme ça ils ont reprendre et pour laisser ça même pour venir là pour m'a dit mais ça fait n'a songé qui tinait quand tu peux voir information c'est ou nan monde qui remet travail la police mais depuis gain bavi ou policier même toujours là pour me dénoncer gens des dérives si là yo et puis l'autre bagage qui est important encore pour nous parler dans cadre mission ça faut me dire nous Edler Guillaume monsieur perdit job li en tant que commissaire gouvernement Port-au-Prince comprenez bien n'a songé monsieur était venu là sur Ariel Henry et monsieur était by design on racle bâton bon pendant il était convoqué journaliste Banat Daniel je tout by ça yo et bien faut me dire nous tout ça qui d'après au commencement monsieur était montré ce travail peuple il était voulu faire mais au final gèl est sous pression pour pas perdre job il était voulu faire Ariel Henry plaisir pour pas qu'elle dérive que Edler Guillaume lui-même l'était fait mais selon détail selon information que me gagné yo dit que Edler Guillaume monsieur pas là encore et moun qui remplace là c'est Lionel Constant Bourgoin après pour nous Lionel Constant Bourgoin et n'a pas besoin gain doute surtout ça ça arrive les vinn faire ça fait pas mais dans ça gain pour ouais avec connaissance en la matière oui monsieur li c'est un vétéran dans justice haïtienne là c'est grand pile pas coup allez ça moi même ça me veut m'pas veut pour un monde qui sorti de nulle part pour nous mettre comme quoi pour l'aller prendre décision pour nous m'besoin un monde ça qui arrive les rivi là tromper nous mais nous pas supposé gain doute dans compétence intellectuelle li et tout ça qui porte non Lionel Constant Bourgoin après tout cheveux monsieur et monsieur fine blanche net et tout cheveux fine blanche yo par l'autre côté non c'est dans ministère justice là même on va c'est dans appareil judiciaire haïtien parce que les malgardé on bagwaon monsieur gagné yo dit que tout ça comprendre Bourgoin il était occupé pour ça déjà en 2016 et puis tout ça tout selon détail c'est l'information que garder bien pour vous. Yo dit monsieur, il était directeur général ULCC dans l'année 2016, il était chef parquet dans ville Jacmel dans l'année 1999 à 2003 et tout ça également il était ancien directeur l'école magistrature en 2008 et monsieur tout il était fond passé en tant que directeur dans inspection judiciaire conseil supérieur police judiciaire dans CSPJ. A dit ouais son nèg qui gon parcours comprendre on parcours riche mes chers amis dans cause justice qui donc si monsieur arrivé là nous souhaiter au moins résultat qui en pile dans nous attendre dans quel bail qu'il fait un bon figu dans parquet en bas dans Port-au-Prince parce que en pile nèg qui passé là c'est dérive totale pas besoin ressusciter les morts même qu'on est déjà et les Guillaume venir là on prend monsieur Moutro ses affaires Ariel il t'a géré on prend côté qu'on paquet mandat monsieur mettez et monsieur même on prend qui te met mandat des arabes c'est vrai arabe son petit bateau le tayé par rapport avec Jean t'a fait déclaration lui mais André Michel t'a fait plus mal sur Jovenel so comprend et je ne jodi à la si yo ka mette arabe comme on évadé c'est grâce avec Edler Guillaume et arrestation Edler Guillaume pas camper son rien lui même ensemble avec Onalich pour voler téléphone et arabe est-ce que comprend bon en tout cas j'en entendé assez ça mais une bagarre qui important intéressant nous on regarder de près on prend et mettre Lionel Constant Bourgoin qui ça qui libéral géré dans tête paquet parce que son paquet qui malade son paquet qui cassé à mettre reprise comprendre bien s'il vient là faut au moins les tirer ils font différence ça important intéressant et puis nous capable remarquer tout gouvernement Garigoni hein, malgré pour moi même il beaucoup bon genre résultat qui m'attend non mais son gouvernement pas en campé il y a tellement gain va et vient qu'a fait là dans gouvernement ça marché pressé qu'a fait là dedans et pour moi même comparativement ensemble avec moun Ariel yo cabinet ministériel Ariel là et cabinet ministériel Garigoni hein, c'est la nuit avec la journée
Parce que gars qu'on est venu là, il pas jamais chita un jour, nèg yo travaille des titan coup devant autour, nèg yo comme ça, comprendre bien, m'a regardé là toute munition net, il a frappé porte yo là, il a frappé toute tête a frappé. On bon dans moment ça là pour garder gagner remplacement qu'a fait. Mon cher, pour moi même c'est à féliciter, mais jusqu'à présent beaucoup atterri. Comprendre bien, nous content gagner réforme qui n'a pas essayé faire dans ministère yo, nous content gagner rencontre qu'a multiplié, mais comme ça tout, ça ne besoin c'est des bagarre lié. Premièrement, c'est arriver pacifier pays là. Jean Garicon te dit l'état on va prendre contrôle pays ya, ville par ville quartier par quartier caille par caille c'est ça qui m'attend parce qu'on bien et dans sens ça tous mes chers amis faut me dire nous que Garicon toi ça va dormir me dit ça déjà Garicon c'est un nèg là moi même jusqu'à présent malgré tout problème on est cagé avec Gary mais pour moi même li vini là ça pour le faire commencer faire m'pas dit le fin faire non mais tout ça pour le ta faire comment li commence à entamer ou là et m'bat bravo la contentement pour moucher parce que monsieur moutrim on bon petit dégant tout prête là ou ka parler oui puis devant mais pour kounia ou beaucoup besoin parler parce que gagne ti va et vient gagne ti détail qu'a fait gagne moun qui perdi portion et rapide vite remplacement fait est-ce que comprendre c'est-à-dire monsieur travail et youn nan moun monsieur remplacer là bon chercher pour nous bien rapide mes chers amis. Ouais, mon quoi pour jodi a, monsieur fait une installation dans direction générale protection civile, c'est Emmanuel Pierre qui prend reine direction si là. Comprenez bien oui, a dit mon protection civile yo, si n'te gen mauvais traitement, nous souhaiter que Emmanuel Pierre lui-même l'ait rivé là comme ni gen temps là déjà parce qu'il installé, nous souhaiter au moins li gagner yon bagay en plus qu'il pote, mais c'est pas de gen dit tout, li gon bagay qu'il ajouté. Non pas me c'est nèg tu près de voir information hein. Nous pas fait une cordium net mais quand t'as pour information quand t'as pour détail faut que me baroule malgré qu'on crasé malgré problème santé mais information me rete soudé ensemble avec lui d'ailleurs connaît déjà moi c'est voir information qui de côté détail là il faut mal chercher pour me porter vini et puis numéro téléphone moi pour si l'a besoin rentrer en contact direct avec pour partager une information yon doléance quelconque ou gon business tout temps même promoter pour cette plateforme là numéro téléphone là c'est +1 809 786 81 20 +1 809 786 81 20. Gè possibilité pour yon rentrer. Faut que toutes conditions réunies pour yon rentrer. M'ap di nou bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de kote kilè, ou ap tande nou, ou ap gade nou an. Encore une façon plaisir pour que nous ensemble avec vous. Et sur plateforme ça, qui est plateforme YouTube, Info Betoa. Et batalan pa piti. J'am di nou an. Responsabilité, rete responsabilité. Responsabilité, rete responsabilité. Engagement, rete engagement. Gagnant et Jean de Dian, en pile pression que Haïtien en Haïti, alors qui sortit en Haïti, qui rentre aux États-Unis d'Amérique. Dans le cadre du programme Biden, non, avec un pile de déclaration que le président Donald Trump fait, Haïtiens ont vraiment senti qu'ils ont paniqué. Et parce que, avec l'arrivée du président Joe Biden, si le président, alors, si par exemple, Biden n'est arrivé pas président, c'est Donald Trump qui est président, eh bien, Haïtiens qui rentrent dans le cadre du programme Biden, ils ne connaissent pas ce qu'ils ont pas le fait. OK? Ils ne connaissent pas ce qu'ils ont pas le fait. En plus de ça tout, on peut les questions à poser pour dire comme ça que et même si que président Biden prend décision pour que il y ait accord de TPS avec tout le monde qui n'a pas programme Biden, tout haïtien en général qui a vive États-Unis après 2 ans qui prend pas un statut légal, et est-ce que les fin accord de TPS ça, est-ce que président si gon l'autre administration qui monte, est-ce que yo pa gen problème? Est-ce que son bagay ki obligatoirement doit rete? Est-ce que pa gen problème? A sa nou ta reme wel avec haïtien qui gagnent yon idée sous question bagay immigration américaine. Ça nou pas vraiment capable, mais c'est des questions que en pile haïtien a posé, mais m'a dit nous que c'est une très bonne nouvelle pour communauté haïtienne non et qui fait rentrer. Alors surtout pour haïtien qui fait rentrer aux États-Unis d'Amérique avant 3 juin 2024 yo. Haïtien qui a peine rentré aux États-Unis. Ça rentre en 2023, ça rentre 2 juin, ça rentre et 2 juin, justement, 2 juin
et m capable dit et 11h58 2 juin 11h58 tout haïtien qui rentre aux États-Unis 2 juin 11h58 yo et PM yo et ben haïtien ça yo habilité pour que naturellement yo appliquer pour TPS là que en pile haïtien déjà dans programme ça aux États-Unis d'Amérique déjà en pile haïtien dans programme TPS là en pile haïtien dans programme TPS là. Voilà, maintenant et nous parler pour dossier politique en Haïti, dossier sécurité politique. Jimmy Cherizier alias Barbecue fait en sortie. Il va en pile que sorti. Ça c'est Jimmy Cherizier Barbecue. C'est quand même lui. Avec Amelio qui est donné là. Donc il dévole là. En tant que patriote, en tant que monde qui aime le pays, nous venons en position pour nous obliger à mettre les pieds droits à terre pour nous libérer le pays pour une deuxième fois. Je dis à la position misère, grand goût, dans la crasse dans le quartier populaire, et pour l'État qui est irresponsable, et pour le monde qui a fait tout l'impérialisme qui mène les forces étrangères, venir dans le pays pour continuer à voler les ressources. Pour continuer à assassiner Petit Dessaline. M'dit Petit Dessaline, on a parlé de bon Petit Dessaline. Pas Petit Dessaline politicien, pas Petit Dessaline volé qui a défendu poste dans l'État. Jodia, nous devons l'histoire. Même gens, nous devons les Dessaline chef gang. Même gens, nous devons les Dessaline chef bandit. Jodia, il appelle nos chefs gang, il appelle nos chefs bandit. Mais c'est nous-mêmes qui là pour nous libérer le pays. Le monde entier a regardé nous et nous avons pour responsabilité pour nous écrire l'histoire. Pas jamais oublier ça. Depuis où échoué, l'histoire va pour son jour. Mais depuis nous réussi, l'histoire a bien pour reconnaître nous comme un paquet de jeunes garçons qui dépensent ça pour nous libérer pays. Bataille n'a pas une bonne bataille pour être nous. Nous n'avons la guerre n'importe où nous avons parce que c'est pour nous lier. Mais moi, je viens de mourir dans le monde. Nous ne pouvons pas nous mourir en lâche, nous voulons nous mourir en bon soldat. Et même si c'est cette note là, n'importe qui ose puis les quatre côtés là vivre là, n'importe qui ose venir attaquer nous dans quatre côtés là vivre là, n'a craser quatre avec ensemble et même les venir craser quatre ensemble, n'a continuer comme avec nous ça. Nous pas besoin qu'on ni blanc, nous pas besoin qu'on ni noir. Et pour pas haïtien, pour sous sol là, nous considérons autant pour qu'on envahisseur. On envahisseur va jamais gagner pied pour le pour nous. Songez au faire nous ça déjà. Yo vient au ministère on va nous coller là. Je viens à un ministère, je viens de violer les jeunes garçons, je viens de violer les jeunes femmes. Je dis à nous devant l'histoire. Songez les âmes qui nous emmènent. Ces âmes, c'est bonne liberté pour nous libérer le pays. Nous avons pété la tête pour une équipe lâche. Nous avons fourri ou bien nous avons quitté ça pour nous camper pour nous. Voilà, et c'est l'équipe Barbecue, Jimmy Cherizier, qui dit que vous mettez pied à terre. Vous avez une quantité de jeunes garçons qui lourdement armé avec yo et yo dit clairement yo gagne un pilote qui sous poste. Ça veut dire que son l'armée qui gagne des soldats et à l'intérieur et puis gagne un capé et qui fait garde sous poste vers l'extérieur. Comme jusqu'à dernier coup de sang nous n'a camper comme pour nous libérer pays ça. Nous devons respecter tout le monde. Nous pas gagne pour perdre personne monde. Nous toujours ouvert pour parler à tout le monde. Mais nous pas gagne jamais pour baisser tête devant personne monde. Qui compte nous qui voulait parler avec nous, n'a pas parlé avant. Mais si vous voulez gouma avec nous, n'a pas gouma avec nous. Et pour nous dire, n'a pas gouma avec nous, pas répondre gouma avant. Si on nous dit, on parle avec nous, n'a pas parlé avant tout. Nous ne pouvons jamais mettre tête à tête devant qui compte nous dire. Songez, qui nous dit papa nous. Songez, nous, c'est petit de saline. Sous bout de ça, et pour nous piler le camou. Et en tant qu'à ce côté, nous vivons en tant qu'haïtien. En tant que monde marginalisé, en tant que monde qui n'a pas de l'eau pour nous, nous n'avons pas de caille pour nous aider. L'État n'a pas créé l'école professionnelle pour nous. L'État n'a pas créé les conditions pour nous vivre dans le monde. Je dis à nous obligés de prendre ça pour nous défendre le pays. Et ça, ça a changé, c'est de mettre le quartier populaire. Notre objectif est de toujours déstabiliser le pays. Et ça fait chaque jour, chaque minute, chaque seconde, nous devons toujours mettre nous sous garde d'eau. Nous devons toujours parer nous. Première attaque adversaire fait sur nous, nous-mêmes pour nous répondre à l'adversaire à temps.
Nous sommes répétés nous ça déjà. N'importe qui nous a mouru là. Mais nous devons mourir dans le gourmet. Et moi promets nous chaque grain qui est là. Ni l'autre qui sous portion. Nous-mêmes qui l'avons dit pour nous faire message à passer par l'autre qui sous portion. Si nous avons ça. Nous sommes premier monde. Les attaqués là, qui a campé le gourmet. Nous sommes dernier monde. Qui a quitté le gourmet. Et les m'a quitté le gourmet, n'importe gens. N'importe gens. Moi ou vif. Je m'a pris dans la bataille ça. Ça fait que José nous devons fier de tête, nous devons fier de ça, nous devons fier que nous sommes haïtiens. Et ça fait que nous ne devons pas faire ça, nous devons faire ça. Chaque jour, on s'est mis, on a réfléchi à ça. Songez-nous pour l'ennemi. Et nous ne devons pas contre l'ennemi en venir, mais nous devons toujours parler pour n'importe quel ennemi en venir. Nous devons respecter tout le monde, mais nous ne devons jamais faire mon envie, nous. Ok? Est-ce que nous parlons en danger là? M'a demandé, alors qui ton commentaire pour moi? M'a parlé pendant que nous allons continuer tendre Jimmy Chérizier alias barbecue. Qui ton commentaire? Est-ce que nous parlons danger là? Est-ce que nous parlons Haïti sur route vers une guerre civile? Est-ce que nous parlons danger? Parce que tenez bien, nèg tellement comprendre la réalité là. Nèg ça qu'a parlé là, c'est Jimmy Chérizier alias barbecue. Il un ancien policier. Il pas imbécile du tout. Il compte tout ça l'a dit, il compte qui gens pour le déplacer pion. Où est ça barbecue fait là? Il veut dire exactement ça, il veut dire. Bah, qu'a dit toi qui choye nous? On quitte le palais toujours. Parce que je suis sûr que vous intéressé, attendez plus toujours. On avance. Et nous allons avancer. Et moi-même, nous allons avancer en pas qu'à danser. Et tout le monde, ce point. Ok? Vive ensemble si on attaque un petit qui s'en a fait. La page. Vive ensemble si vous attaquez un team qui s'en a fait. La marche, 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 pays à malade. Pays à malade. Pays à malade, Jouk Nanzo. Et je pense que meilleure façon pour nous sortir Haïti là, c'est vraiment avec stratégie, comme on a dit Philippe, t'es dit non. Une stratégie d'amnistie pour nous connaître vérité et pour nous capable de déraciner tout si nèg avec zam cap kidnapper cap tuer moun nan pays ça seulement yon capable faire. Et ça a pas pitié du tout. Soit regarde la partie bagaille petit lié. De comprendre ça, ça veut dire que et volume nèg avec zam sa yo là et nèg yo tande bien. Mais sauf ça m'a dit. C'est beau. Malheureusement dans tête l'état et pas moun que peuple a te vle ak là. Et pas moun que peuple a te vle ak là malheureusement. Si c'était moun que peuple a te vle hein. D'abord. La marche, 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 aïe. Maman, maman, pour qui ça n'a pas vu? Maman, maman, pour qui ça n'a pas vu?
tout est volé, job la son job c'est qu'elle vous qui ça la vie. Mais qu'il y a capuche de soleil, capuche dans la ville, capuche d'Elma 2, capuche d'Elma 4, capuche. Mettez garçon sous nous, 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 capuche. Maman, maman, vous qui ça la vie. Maman, vous qui ça la vie. Nous te connaissons, job la son job c'est qu'elle vous qui ça la vie. Mais Kenya, mais Kenya, mais Kenya, mais Kenya, mais Kenya, mais Kenya, mais Kenya. C'est un signal à clair qui montrait que Nèg Améo pas peur même pour une seconde avec arrivé 400 policiers kenyans dans la coupe pays d'Haïti. Son signal à clair. Barbecue Jimmy Cherizier dit que l'y ouvert pour que l'y dialogue. Et l'y lance appel au dialogue bon côté pour le ministre Dr. Gary Kony. Dr. Gary Kony répond, il dit clairement. Déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et puis toute l'autre bagaille, avant toute l'autre bagaille faite. Docteur Gary Kony. Déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et puis toute l'autre, avant toute l'autre bagaille fini. Eli Claire, jodi y a Haïtien pas capable de subir kidnapping encore. Haïtien pas capable de vivre. Avec une équipe qui a l'os âme dans main, qui a kidnappé, qui a touillé. Ok? Moi-même, je dis ça très bien. Barbecue Jimmy Cherizier, tout le monde connaît position sur Barbecue Jimmy Cherizier. C'est clair. Tout le monde connaît position. Barbecue pas criminel que Nelan Kassi. Barbecue pas assassin que André Michel. Barbecue pas assassin que Ariel Henry. Barbecue pas criminel que Franck Selbe qui est impliqué dans le touiller président Jovenel Moïse. Barbecue pas criminel que Dimitri Vaboulos. Barbecue papi assassin que criminel dans la politique qui fait payer ça mal. Et m'a dit ça, je dis, moun qui fait Haïti plus mal, c'est politicien. N'a pas éradiqué tout assassin net ou connéan. N'a pas tué tout nek avec zam, n'a pas tué tout nek qui baye zam. C'est ça la solution. C'est exactement ça. Ou de tuer tout nek qui qu'on a kidnappé, qu'on a tué, violé dans la rue qui se boit exécutant. Et puis éliminer tout politicien cadre traditionnel qui a baye zam dans tout. Pas de l'autre possibilité. Seul moyen ou qu'a j'ai une solution définitive avec ça, son gars là. L'éclair. Moi-même, moi que Haïti sous route pour une guerre civile. Il va l'autre. M'dis le clair. Haïti sous route pour une guerre civile. Si nous ne prenons pas toute disposition, ça va être compliqué pour nous. Qui j'ai opération la police et les policiers qui n'ont pas le mené dans le quartier populaire. Je dis le clair. Si nèg sa yo pas gagné hélicoptère de combat, drone, pour lancer de bagay à distance sous nèg amé yo, ou pas capable de démanteler yo. Parce que le premier bagage que nèg yo fait, nèg dans quartier populaire yo, yo montre à clair tout le monde qui vit dans quartier populaire solide ensemble avec yo. Ça veut dire défaite pour yo c'est gang. Ou pas d'affon idée non? Si moun kou grand moun, yo montre yo solidaire avec nèg armé yo. Ou pas believe that. OK? Est-ce que vous comprenez? Un monde qui vit village de Dieu. 3 ans, bandi a kidnappé moun. Y a violé moun, y a tué moun en bas. Moun en stèle avec village de Dieu. Qui ça que lié? Ben mon idée. Qui ça lié? Qui ça moun ça lié? Est-ce que nous l'appelons pas ici? Qui ça moun ça lié? Vous voulez nous comprendre vraiment? Ça n'a pas vivre la papiti. Mais c'est seul nous-mêmes qui capable de retirer tête dans ça. Il y a 11 familles qui ont vendu des armes, qui ont vendu des balles en dans le pays depuis des années. Jean Rebel de Sénat, qui est président de la commission des armements dans la Coupe d'Haïti, monsieur compte tout nègre qui est dans la politique qui bat des armes. Monsieur compte tout nègre qui est dans le secteur privé qui a vendu des armes. Je dis à quelqu'un qui est bien placé pour dire nègre avec femme qui a vendu des armes, qui a vendu des balles, qui a vendu des armes dans tout quartier populaire qui a vendu des armes, lui relève. Jean Rebel d'Orsena. Deuxième entité qui l'a pour ça, alors qui connaît,
c'est la DCPJ. Sur les Français, du, l'autre groupe qui connaît très très bien, c'est l'ambassade américaine. Parce que toutes données, Jean-Rebel dans le scénario, l'ambassade américaine gagne. Toutes données, DCPJ, l'ambassade américaine gagne. Ok? L'important pour nous comme ça. L'important pour nous comme ça. Samedi nous là, il pas petit du tout. Parce que je tiens, ça pour nous connaître. Depuis longtemps, il était toujours fait comme ça. N'est-ce qu'à 20 ans, 20 balles là, il est toujours bataille pour l'exister. Comme si Fokli est toujours là lui-même. N'est-ce qu'il y a politique là, Fokli est toujours là. Mais par conséquent, chaque jeune garçon lui fait gang. Depuis cette jeune garçon anti-gens, rive au niveau Abdenoncel, et bien il relaye. Li yo bataille pour faux façon pour yo jeune force multinationale vin touye gang nan pou yo. Ou bien pour yo faire tout ça que yo connaît pour faire la police al touye gang nan pou yo. Et puis pigou chef gang nan, c'est nèg ça qui nan politique lan ki bay zam nan. Li clair. Mais nèg ça pas toujours présent, yo toujours existé. Yo toujours existé. Nèg ça yo c'est des éléments du chaos. Yo symbolisé instabilité. Yo symbolisé insécurité. Et yo c'est exactement insécurité ya. Parce que de pouwe yo, c'est cadavre. Yo pa moun, ce sont des assassins. C'est des criminels notoires. Et puis tout moun kampe, ap gade ban gang sa yo sou moun. M'le di nou ke li pa acceptable pour que des assassins, des voyous, des gangs notoires, kampe fin tout ya moun no pays, et puis tout moun kampe ap gade yo. Li pa possible. Faut que toute disposition prenne pour que yo fon bagay avec nèg sa yo nan pays ya. Et faut que tout haïtien contribue. Nous faisons un bagage avec les gens dans le pays. Nous ne pouvons pas continuer comme ça avec eux. Haïti n'est pas capable encore comme ça. Ce n'est pas possible. Dans nos pays, nous avons tout, nous gâché, nous boulé, nous fait payer invivable. Son seul groupe qui a accès pour faire business dans le pays. Nous qui oligarque corrompu. C'est celui qui n'a pas mouru. C'est celui qui a l'argent. C'est celui qui contrôle l'économie du pays. Depuis que Haïti commence à monter, yo kidnappé, yo boule sans posséder. Pour j'aime boule ma quête boulos. Si pas li encore que vous groupe moun pas la boule dans quatre manifestations pour le capable faire l'argent avec assurance internationale. Après ça ou pas toujours marché tabac à boule, marché télé le cap boule, marché coco et cap boule, marché bala ville cap boule. Gon plan même pour détruire la classe moyenne haïtienne et de fait yo détruire. OK? De fait, vous détruisez. Mais vous détruisez. Classe moyenne, nous. Mais vous éliminez. Classe moyenne, nous. Mais quand pile, monde qui se monde de bien, qui campe, qui a regardé, qui a observé, qui pense son blague qui est là. Pas une blague là. Il y a un groupe de nègres qui sont politiciens, qui t'a doué faire politique pour t'a fait payer au marché, pour vivre dans le pays. Mais c'est eux-mêmes, non? Qui contribue dans détruire pays ça qu'on gagne qui c'est Haïti. Mais je dis à me penser que la seule solution avec monsieur dame ça yo c'est éradication totale des groupes politiciens ça yo qui prend Haïti en otage là définitivement. Ou pas qu'a fait rien ensemble avec dans pays là parce que yo pas moun. Yo c'est des criminels notoires. Yo c'est des assassins sans cœur. Ou pas qu'a quitter criminels ça yo continue à rancer dans figure monde toujours. Fok gen yon bagay ki pou fèt. Ok? Fok gen yon bagay ki pou fèt. Ok? Fok gen yon bagay ki pou fèt. Nèg yo trop méchant. Nèg yo trop criminel. Fok gen yon bagay ki pou fèt. Faut que toute disposition prend. Voilà, nous pour aller dans affaires et alors dans diplomatie haïtienne non. Et tout d'abord m'a salué et arrivé jeune demoiselle ça, jeune madame et 34 l'année, jeune haïtienne qui c'est madame Dominique. Madame Dominique Dupuis et
qui fait qu'a font travail dans diplomatie là que moi personnellement déjà pas bravo pour lui. Jeune dame ça c'est une capoise que on regarde sur écran qui nettoie diplomatie haïtienne et me demande elle pour que non non haïtien qui vit en Dominicaine me demande ça parce que moi même suis haïtien qui vit en Dominicaine et tout. On connait ça m'a dit hein, m'pas parler pour l'autre consulat ici Haïti gain dans l'autre pays yo. Même parler pour la République Dominicaine en général. Consulat d'Haïti Dahabong. Consulat d'Haïti Santiago de los Caballeros. Consulat d'Haïti capitale Santo Domingo. Consulat d'Haïti Higüey. Consulat d'Haïti La Romana. C'est tout consul ça que Haïti gagne en Dominicani qui pas utile pays d'Haïti rien puis tout pas gagner. Moi mandé madame Dominique Dupuis pour lui rappeler tout monde ça honnête qu'on est en Dominicani. Tout net. Rappeler tout monde ça qui consul d'Haïti en Dominicani, mettez de nouvelles têtes. Mettez de nouvelles têtes qui pas que politiciens pas mettez. Choisis des monde qu'on connaît. Qui peut-être fait diplomatie ensemble avec qu'on connaît qui compétent. Qui pas peur et qui pas peur défendre la Dominicani, qui pas envie rester vivre en Dominicani. M'a demandé pour révoquer depuis ces haïtiens gang vicieux volé que politiciens te mettaient dans diplomatie haïtienne en Dominicani. Rappelez tout ce qu'on est. Tout volé ça yok pas été payé rien. Depuis ces volé Ariel te mettre l'autre bois. Surtout pour ça que Santiago a, on sans honte. Qui pas gagné l'utile l'autre bois. Révoquer volé ya. OK, révoquer voler ça. T'es un jeune garçon qui descend Santiago avant ça. Et qui paraît là t'es humilié monsieur. Ou est monsieur ou capable de sauver les délits? Son qui remet boîte à fiali typogramme ni tout le monde remet ça. Tout le monde remet gaoutio. Mais ou est monsieur était plus présent bon côté communauté haïtienne là dans Santiago de los Caballeros. Ou ca tourner avec jeune ça. Ou bien tout ce qui est de l'autre, ou ca tourner avec elle. Mais comme c'est qu'on dans Caraïbes. Comment le comme pas songer le nom? Ancien et consul et comment il est Haïti Santiago oui comme c'est encore parce que non moi même de vivre au bout de Santiago de ouais monsieur dans la communauté là c'est monsieur c'était plus présent pour haïtien dans Santiago pour moi même ou ca tourner avec jeune ça OK ou ca tourner avec jeune ça Santiago parce que c'est équipe Ariel là qui retire monsieur l'autre bois pour te mettre nèg politique pa yo qui vous voulez. Nous avons tourné avec jeune ça Santiago. Parce que nous avons eu utile. Et si nous avons tout, que nous avons tourné, nous avons tourné avec eux. Mettez de nouvelles têtes. OK? Les gens qui ont été révoqués dans le conseil de Santiago, mettez un paquet de monde. Si vous avez pas le travail, allez passer où vous avez pour nous. Tout personnel. Vous avez un paquet de monde qui a eu un paquet de l'argent, qui va jamais travailler. Mais les gens qui étaient là depuis des années dans le conseil, personnel yo tap travail sécurité nèg yo te révoqué. Gon jeune gars sou ta fait sécurité l'autre bois nèg yo révoqué. Gon ancien policier haïtien nèg yo révoqué l'autre bois. Faut que nous ta réintégrer monsieur nèg yo couper chaque monsieur, c'est méchant stélié. Vous comprenez? C'est méchant stélié. Et puis pour chaque groupe volé qui vient avec groupe volé pa yo. Faut que nous garder moun ki propre. Moun ki propre, moun ki compétent pour nous mettre dans diplomatie. Li important pour que nous fassions ça yo. Et li important OK pour que nous fait passer meilleur dans diplomatie haïtienne. Madame Dominique Dupuis t'est participé dans assemblée générale l'OEA et c'était hier c'est pas trop et moins les faits de déclaration nous pas attendre jeune et dame nan qui c'est madame et depuis, nous avons le temps de lire et déclaration qu'il fait dans l'occasion ça. En attendant, Madame Dominique, avec un pile d'intérêt, et puis nous avons tourné par la suite pour commentaire et avancer avec presse programmation. Madame Dominique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents des États membres,
Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des observateurs permanents, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur que je vous adresse les salutations les plus cordiales de leur Excellence, les membres du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti, présidé par M. Edgar Leblanc-Fils, ainsi que celle du Premier ministre, le Dr Gary Conille. En leur nom, je vous transmets les vœux de succès et de pleine réussite pour les travaux de cette 54e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je félicite chaleureusement le secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, pour l'organisation remarquable de cette session. Monsieur le Président de la République du Paraguay, Su Excelencia Santiago Peña, je vous remercie de nous avoir accueillis à Asunción, ville au passé riche et qui, comme Port-au-Prince, porte encore les empreintes d'une histoire universelle. Votre pays, comme le mien, a été un carrefour de rencontres violentes des civilisations. Et ce matin, il est un point de convergence prometteur entre les peuples des Amériques. La République d'Haïti, ce bout d'île magique au nom duquel je parle, est le foyer de l'intestelle de la liberté pour tous, le berceau de la dignité pour tous. Dans l'épopée de ce continent américain qui nous unit, chaque recoin témoigne encore de la contribution haïtienne, raconte encore la vision et le courage de nos pères fondateurs et de nos mères fondatrices qui ont rêvé puis réalisé l'impossible. Si notre parcours a depuis été jonché de pages plus sombres, Haïti est encore et toujours prête à participer à la construction de notre avenir commun, ensemble. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre à un niveau ou à un autre à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette Assemblée générale, il nous revient donc de prendre des engagements impérieux visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région. Et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs. Encore. L'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration. Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livré à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, l'instabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et asphyxié nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ses secousses. Pourtant, à Port-au-Prince, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquetis des dominos se devine dans les quartiers où le bruit des armes s'est tu. Les files d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le ballet des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Ces signaux, timides et fragiles, nous encouragent et nous obligent. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interfois, un moment inédit de rassemblement national est né, dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élection pour le renouvellement du personnel politique.